What's up tout le monde, bienvenue sur le channel Antoine MK1. Aujourd'hui, on installe les Futura sur le GLI à Elia. Il était remisé tout l'hiver, fait que là c'est le temps du déremisage. Fait que là, on branche la batterie. Elia est en train de faire ça. Puis, il y a le petit Jetta à côté, MK1. Je m'ennuyais pas mal de ce petit char-là, fait que je suis bien content de le voir. Fait qu'on va brancher la batterie sur le Jetta, on va le sortir dehors pour se faire un peu de place pour le GLI. Puis, fait qu'on va vous montrer ça. Premier démarrage en 6 mois. À peu près. Ouais. Le ramusé 31 octobre. Ouais. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ouais. Rough, mais. Je m'ennuyais. Sûr. Bon, let's go. On va voir, ça part au premier coup de clé. C'est fou, man. Puis c'est quoi les specs finales des roues, Elliot? 18 par 8.75 offset. Ce qu'on voit sur les faces qui était marqué, c'est ET38. Ouais. Fait mais là, c'est... avec les nouvelles lips, les nouveaux barrels, on est autour de 43, estimé. À peu près. Mais c'est entre 40 et 45, ça c'est sûr. Ouais. C'est une petite affaire plus agressif que les DEM, je pense. Puis les DEM, c'était du 8.5 ET40. Fait que tu sais, c'est pas mal dans les mêmes. Ça va être pas mal dans les mêmes specs, à peu près. Ce qui est bien correct. Puis les pneus. On a mis du Firehawk Indy 500, 215-40-18. Fait que tu peux avoir un trop gros stretch. Puis avoir quand même une bonne gomme, là, à ce moment-là, pour faire coller un peu plus le K04. Qu'on va installer sous pieu. Sous pieu? Yes, sir! Pas grave, c'est, on le fait c'est, pareil. C'est t'aimes ça? Ouais, peut-être, oui. C'est sûr. C'est quand même bon. C'est sûr que ça va être next level. Commencez par en arrière. Ouais.
côté dans le tailleur. Damn, boy! Il n'y a pas de bruit. Encore? Ah oui. Vas-y. Moi, ça passe. Hé, 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 arrête! Lève! Ok! C'est à côté, genre. Ça, c'est à côté, ça allait. Ah ouais. Toi aussi, hein? Ouais. Il manque une petite affaire de Kemba. Ouais. En fait, la différence, c'est que ces lips-là sont neuves. Ouais, ils sont un millimètre trop large en arrière. Ouais. C'est sûr, si on met ceux d'en avant en arrière, là, ça passe. Bon, go, on les switch. Go. Qu'on vient de switcher en avant puis en arrière, fait que là, air out prise 2. Le volant est croche. Ouais, mettons, on va à l'endroit. Ça va au bas, sûr. S'il y a de quoi, ça va être le tailleur. Ça passe. Je vais voir l'autre bord. C'est la même affaire à l'autre bord. Ouais, ça rentre. Et voilà. Hey man, ça toque sur un temps, là. Là, je vais l'éteindre. Wouh! Là, je suis à zéro. Ça toque sur un méchant temps. Le live, j'étais à zéro. C'est ça qu'on voulait. Ouais. Pas prêt. Tu me dis qu'il a arrêté, hein. Mais que tu sois à zéro. Ça a l'air de quoi? Ben, il y a de la place en masse, là. T'es à comment? 15? Des deux bords? Ouais. Ben, descend ça sur. Ça va faire pop, ça va tomber one shot. Yes, si bol. C'est quoi qui fait ça? Je sais pas. Si tu passes sa frotte en arrière avec quelque part, ou si tu passes le tire qui est trop sticky? D'après moi, c'est le tire qui est sticky, puis parce que quand t'es air out, les tireurs, l'empattement se referme. Il rentre par en dedans. Ouais. Fait que là, c'est le tire qui est sticky. Là, dis-moi que. Ben, go, là. Tu peux plus descendre, hein?